On a tendance à présenter le travail comme si c'était mal dans notre société, comme si c'était pas bien de travailler. Et je pense que c'est important de replacer le travail dans ce qu'il est, qui est formidable. C'est-à-dire que on fait partie de la machine, on est attendu pour pouvoir faire fonctionner le camion, le machin, le truc. Et ça, c'est pour l'être humain qui est un être social que c'est important. Mais un mec qui a 45 ans, qui est à la retraite, il est attendu nulle part, sauf dans les magasins. Dans le monde d'aujourd'hui, on explique aux gens que c'est vraiment bien d'être retraité, d'arrêter de partir, d'être juste assis sur son lit sans que personne t'attende jamais et de vivre en fonction juste de l'ouverture et la fermeture des magasins. Donc c'est-à-dire que t'as encore une tirée énorme, plus grande que celle que t'as vécue, à ne rien faire en fait, à ne pas participer, à te lever le matin, à utiliser les objets fabriqués par les autres, pensés par les autres, mis en place, acheminés par les autres, et tu seras juste un consommateur d'objets, d'éventuellement de transport, de voyage, mais sans que personne ne t'attende nulle part, sauf pour dépenser le fric de ta retraite. Tu seras attendu pour dépenser ton argent et tu feras partie des retraités. Tu seras pas le mec qu'on attend au bureau, ou au garage ou dans l'entreprise. Toi, en fait, t'es juste un consommateur. Ah, tu n'es pas d'accord ? Viens vite. Alors, tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.